Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce France-Pologne. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jason, salut. Et Hugo. Aujourd'hui, nous allons pronostiquer ce petit match. On va aller le voir tout de suite. Pour ma part, ça sera une victoire 1-0. Ouais, un petit 2-1. 2-1. 1-0. Eh bien, écoutez, on va aller délibérer tout ça. On va aller voir ce score final, ce résultat à Times Square et Hénin Beaumont. Comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes. Vous en pensez quoi? Eh ben non, ça va être du feu. Et allez, c'est parti les gars. D'abord, on va se préparer. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ça y est, on est équipé. On est équipé. Ah, j'ai pas l'air fin. Ouais. La TF1. Et on dit quoi? Et on dit quoi? Bah, allez les bleus. Allez les bleus. Donc, bonjour à l'équipe. Ouais. Ça, ça va. Allez à votre. Bon match. Ouais, tiens. Allô. Match. Bien, je vais faire pour pronostic. On revient pour pronostic. Ah, j'ai dit rapide. Oh, merci. Même le pari c'est bien. Merci. On a même des pays pour le coup. Bon, il y en a qui regardent le match. Il y en a qui veulent bouffer. Franchement, j'ai pas. Ouais, c'est moi qui vais bouffer les culs là. Non, je bouge pas tout. Lui, il a pris à tirer un fil de ballon, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas Dembélé, c'est Dem double pied. La pizza. Merci beaucoup. Allez, allez, centre. Allez. Allez. Oh là là, oui. Oh là là. Sérieux les gars. Les gars. Oh. Ah, c'est bon des filles. Mais des gros rats quoi. Oh, ah bah ouais, bah ouais. C'est pour ça que j'attends. Laissez-moi en une au moins. Il y en a encore deux. Oui. Allez. Non. MDR, Koundé, il ressemble à une tartiflette, frère. Bon, il nous a fait un tir à la caille. Ouais. Ouais, c'est grave. Allez, boum! Boum! Oh! Encore! Encore! Centre! Putain! Vous appelez! Pourquoi pas tirer directement? Allez, vas-y, Batman! Fonce! Oh là là! Oh, bonjour, qui va super! Allez! Il est faute, bah oui! Allez Mbappé. Allez Mbappé. Ah non, allez en mode non. Oh, il y a un rouge. Oui Mbappé. Non. Laisse l'avantage. Non non. Eh bien, je le sens, ça va être un match de merde. Je sais pas pour vous. Ça va être un match de merde. Je le sens bien. Oh, je le sens bien. Oh. Il a essayé, il a essayé, il a essayé. Corner. Oh, la face. Oh, 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 ouais, c'est encore un anglais, ça. C'est sûr. Allez. 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 Non. Putain, mais sérieux. Pour ce game Bobby, il voulait pas marquer. Oh. Oh. Non, putain, mais c'est pas vrai. Ouais. Non, non, pas Dembélé. Allez, si, non. Dembélé, il la met. Allez, les gars. Non, il va pas la allez. Mettre. Bah, t'es un putain d'optimiste. Dembélé, là, il va mettre un triplé. Pas de jaune, là. Il y a pas de jaune. Incroyable. Et on dit quoi à l'arbitre? Fils de pute. Voilà. Non, si, il faut là, le dire. Là, t'étais tout seul, là. Ouais, bah, faut le dire. Fils de pute. Première mi-temps, c'est de la merde. Je vous le dis. Bon, l'équipe, je vous le dis, c'est un match de merde. C'est un match de merde. Non, non, il y a quand même eu beaucoup d'occasions. Hein. Non, je suis désolé. Ah, Pologne, la Pologne, il tente, il rate. Les Français, ils tentent, ils ratent. Non, je suis désolé. On a beaucoup plus d'occasions quand même que les Polonais. Deschamps, la cartouche. Deschamps, la cartouche. Non, c'est Didier Deschamps, la cartouche. Bon, bah, tiens, ils ont quand même fait gagner la Coupe du Monde. Ouais. Ah, voilà. La Coupe du Monde, c'était en 2018. Mais Mbappé, ouais, c'est en 2018. Ah ouais. On gagne la Coupe du Monde. Hein? Mbappé, ah ouais. Ouais, même le masque. Hein. Ah ouais. Non, mais y a rien qui est droit. Dembélé, ses pieds à lui, ils sont carrés.
Bon. Et ben... On va pas se plaindre, on a un beau temps. Ouais, on va pas se plaindre, on a un beau temps. Ah, c'est sûr. Mais bon. On va se retrouver pour... avec un beau match de foot. C'est vrai, bien. C'est vrai. Oh, peut-être à la deuxième mi-temps. Là, c'était pour gérer, voir comment... Là, à la fin de la première mi-temps, ça a bien donné. Hein. Les occasions, ça a été. Avec Mbappé et... Comment s'appelle l'autre? Barcola. Barcola, ouais. Ah ouais, la connexion Barcola-Mbappé, ça, j'adore. Ouais. Ah, ça... Ah ouais, ça, c'est, ça, c'est beau. C'est fameux, ça, quand même. Ça, ça fait bander, ça. Mais la collection, attention. Ouais, la collection. La connexion Dembélé Mbappé. Bah, Dembélé tout court déjà. En gros, Dembélé et Mbappé, il y a un bon qui les sépare. Un univers. Oui, oh non, Allez, on continue. C'est pas possible. Ça va passer, hein. Ça va passer. Oh, allez. Yama, allo. Putain, mais je joue pas perso. C'est ta passe. Oh, merci. Voilà, merci. Dans la surface. Il y a pénalty. Calme-toi, il y a pénalty. M'en fous, il y a pénalty. Il y a le viseur. Putain, enfin. Il a même enlevé son masque pour ce qu'il a. Oh là là, enfin. Oh là là. Il est meilleur que Dembélé. Incroyable. Vas-y Giroud, pète-moi le cul. Oh là là. Dembélé? Non. Allez. C'est lui qui a fait ça là. On vient pas en arrière, hein. Dembélé? Oh là là. Dembélé? Il nous a fait rêver. Allez, Mbanouille. Oh là là. Dommage. Boum. Allez. Oui. Vas-y. Non. Bah sinon il exagère. Non. Bah oui. Non. Ah, mon pronostic est peut-être bon. Non, allez, non, allez! Fais pas ton chien là! Il va refaire comme en Coupe du Monde. Non, vas-y, fais pas ton chien, mon gars. Mais regarde le chien! Bah ouais, non! Et là, il va la mettre comme par hasard. Regarde bien. Ah ouais! Hey, yes, punaise! Tu joues plus rien! Et tu mets 1-1, quoi! Allez! Oh putain! Allez! Oh, le rouge! Bon, l'équipe, on est déçu. Je suis déçu. Très déçu. On aurait pu finir premier, on aurait pu passer de l'autre partie du tableau. Et au final, on tombe dans le tableau de la mort avec l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Bah, optimiste de quoi? On n'est même pas foutu de marquer un but dans un match hors pénalty. Hors pénalty. C'est quoi ça? Non, moi je vois pas comment on peut aller jusqu'en quart là. Pourtant, on en a eu des occasions. Demi. Ah, les huitièmes, on peut les passer. Ouais, je pense. Mais là, va-t'en battre le Portugal. Parce que le Portugal, ils vont passer. C'est certain. Ils sont chauds, le Portugal. Ah ouais. Et après, si tu passes le Portugal, faut passer l'Espagne ou l'Allemagne. Ça va être chaud, l'Euro cette année. Non, pour moi, et retenez bien ce que je vous dis, on est éliminé dès l'écart. Dès l'écart, on est éliminé, c'est sûr, certain. Je veux bien être optimiste et dire vas-y, on va aller jusqu'en finale. Mais t'as vu comment on joue? Ouais, c'était que les phases de poule là. Ouais, c'était que les phases de poule. Mais t'enlèves Thuram, mais au final, ça va pas encore. T'enlèves Dembélé, ça ira peut-être mieux. Encore Dembélé, il a réussi à avoir un penalty.
Ouais, Dembélé qui provoque le penalty, Mbappé qui le marque. Ok. Mbappé qui a eu 4 occasions. Bon, l'équipe, je vous le dis depuis 3 vidéos maintenant, 3 matchs. On va pas débattre plus. On va laisser ce débat à l'équipe. Je pense qu'ils sont... ils ont plus l'émission pour. Qu'on débatte de quoi, gros? L'équipe, elle a été à chier, là. Je sais pas ce qu'on a. À part Mbappé, avec son petit masque, là, il nous a fait vibrer. Ouais. À part ça. Ouais, Mbappé, il a envie de jouer, ouais. Ouais. Ouais, on l'a vu, hein. Mais les autres. Ils ont fait. Il a fait rentrer Griezmann à la fin. Griezmann, c'est pas la fin que tu fais rentrer, c'est. Faut le faire rentrer dès le début. À la mi-temps. Même pas, à la mi-temps. Si, à la début, pour qu'il fasse montrer qui est le champion, c'est tout. Qui est le champion? Il a pas gagné la Liga cette année, hein. C'est le Real, hein. Je te parle de la Coupe du Monde. Ouais. Voilà, même si c'était en 2018, bon. Bro, il y a toujours la gagne, il y a toujours la force de vouloir gagner. Non, je suis déçu. Cette année, l'Euro, elle est pas pour nous, c'est sûr. Elle est pas pour nous. Peut-être que je dis ça, je touche du singe, mais... On verra bien lundi. On verra lundi. On verra lundi. Après, peut-être que, comme on a débriefé tout à l'heure, tu vois... Peut-être que tu vois, sur les phases de groupe, il s'est dit, tiens, vu qu'on était qualifié déjà, on va être tranquille. On va jouer tranquille. Mais là. Mais ouais, moi je pense que c'est. Ils sont partis du principe là, ils sont qualifiés. Du coup, ils n'ont pas voulu jouer plus, du moins à la première mi-temps. Mais. Enfin, Dédé, il a dû mettre la cartouche à la mi-temps et leur dire, vous voulez la première place? Battez-vous. Battez-vous. Ouais. Et non, ils sont ils sont pas battus, ils sont pas assez battus. Non, je sais pas, ça va être compliqué, ça va être dur. C'est l'Euro cette année, soit elle est pour l'Allemagne, ou soit elle sera, je sais pas pour qui, mais non, je crois plus pour l'Espagne. Ouais. Bon, l'équipe, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, on aura quand même sauté de joie, on aura quand même vibré, on aura été déçus, on sera passé par toutes les émotions possibles au final. Non, à part l'émotion de la défaite. Ça, ouais. On l'a pas fait. Ouais. On l'a pas eu, tu vois. Pas encore, mais ça va arriver. Ta gueule. Ça va arriver. Oh, tais-toi. Ça va arriver. Pars pas défaitiste. Oh, tu t'es, ouais. Je pars pas défaitiste. Bah, si. Je dis juste qu'on va passer les huitièmes. Ouais, ça, c'est sûr. Dès qu'on va arriver en quart et que le Portugal, ils vont nous mettre la fessée. Là, on va la connaître, la défaite. Et là, après, on va nous trouver des excuses en nous disant « Oui, mais c'est parce que Mbappé ceci, c'est parce que Griezmann cela, c'est parce que Giroud, parce que Dembélé, Thuram. » Me parlez pas de Thuram, parce que là, ça va chier. Bon, si on perd, c'est de la faute à Dembélé. Ah non, mais non, c'est pas la faute à... C'est la faute de tout le monde si on perd, c'est tout. C'est... Bah oui, c'est sûr. C'est tout. Non, Dembélé. Encore, tu m'aurais dit Thuram, d'accord, tu vois, mais bon, il a ciré le bon. Après, Dembélé... Dembélé a quand même fait des beaux gestes. Il a fait des beaux gestes, il a fait des bonnes accélérations. Voilà. Dembélé, ok, il a fait. C'est vrai qu'il a pour une fois, il s'est bougé le cul, d'accord. Mais niveau finition, Dembélé, c'est pas trop ça, quoi. Non, c'est à chier, carrément. Voilà. Ouais. Dembélé, bravo les entraînements, hein, franchement. Mais non, mais c'est ça le truc, c'est qu'à l'entraînement, ils font des trucs de malade. Et qu'arriver sur le terrain. Eh ben, il n'y a plus personne. Après, il faut dire aussi que les Polonais, ils étaient bons aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient, costauds quand même. Ils en voulaient. Ils jouent rien, les gars. Ils jouent rien, mais ils en voulaient. Ouais. Et il manquerait plus que... Non, bah, j'allais dire qu'on se tape la Suisse en quart, mais non, on n'est pas dans cette partie-là, on est dans le groupe de la mort, du coup. Ouais, avec le Portugal pour l'instant. Ouais. Bon, l'équipe, sur ce, bonne vidéo à tous. J'espère que cet euro vous fait aussi vibrer. Vous fait autant vibrer que nous, du moins. Et je vous souhaite à tous une bonne vidéo. N'oubliez pas de partager une vidéo que vous avez appréciée sur la chaîne. C'était Malcolm. Jason. Hugo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'euro. Attends. On dit pas de venir au Team Square lundi pour le match. Pour ceux qui habitent près d'Hénin Beaumont, je dis bien près d'Hénin Beaumont. Ou loin, peu importe. Tant que vous avez une voiture pour venir. Tant que vous avez une voiture, venez. On sera au Team Square lundi. Venez. Venez vibrer avec nous. En espérant. Peut-être c'est parce que je regarde le match. Hein. C'est peut-être parce que je regarde le match qu'on gagne pas. Bonne vidéo à tous. Et on se dit à très vite. C'était Malcolm. Bisous. Je l'attendais. Bisous. Bisous.